Bonjour mon petit chéri, à samedi 17h. Elle est notre invitée cet après-midi, Chimène Badi, dans un instant, Phil Collins aussi. Émission spéciale avec Chimène Badi sur Chéri, en direct du Sceau Urban Food, relié entre l'Ain à Lille. Chéri FM, on est en direct depuis le Soho Urban Food, rue Léon Trulin à Lille cet après-midi. N'hésitez pas à nous retrouver. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit, ouvert à tout le monde. Vous allez pouvoir rencontrer Chimène Badi, lui poser absolument toutes vos questions. Voilà, vous entendez, le public est déjà arrivé. On applaudit puisque Chimène vient juste d'arriver, le temps de poser les affaires. Émission spéciale du coup avec Chimène qui vient nous présenter son nouvel album. Bonjour Chimène. Bonjour. Le 7e album, c'est ça, hein, c'est qui ça. Est sorti vendredi dernier. Il y a le premier single extrait de cet album qui s'appelle Là-haut. On va en écouter un petit extrait. Okay. Tu peux prendre ton casque si tu d'accord. veux. T'as précisé que j'étais à Donc ça c'est le premier single issu du nouvel album. Il y a le oui. nouveau single aussi qui s'appelle Ceux qui m'animent. Alors c'est pas le nouveau single. Il n'est pas encore sorti. Mais écoute, peut-être, on ne sait pas, on verra. Il n'est pas encore sorti. En tout cas, il fait partie des chansons qu'on avait envie de faire découvrir avant la sortie de l'album. Je l'ai encore écouté dans la voiture tout à l'heure et je me disais ce sera un très bon single. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Hyper efficace. ça fait quoi de voir ton album enfin sortir dans les bacs? Du bien. Bien, ça soulage. Alors bon, ça fait juste une semaine tout pile. C'est par rapport à l'accueil que tu dis ça? Non, mais c'est à un moment donné, quand on a autant travaillé aussi vite, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, ben, y a un moment où il faut qu'il sorte ce bébé-là. Il faut que les gens l'entendent, puissent me donner leur retour. Effectivement, là, sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de retours qui sont très beaux et qui me font très plaisir. Voilà, je suis soulagée. Il ne m'appartient plus, il leur appartient maintenant. Bon, et puis il y aura également la scène, on va en parler tout à l'heure. Oui. Le principe de l'émission, en gros, c'est que, bah, tu vois, il y a tous les auditeurs qui sont oui. présents également cet après-midi. Salut. Parmi nous au Sceau Urban Food. On les fait intervenir, on leur tend le micro et ce sont eux qui te posent des questions. Génial. C'est sympa. Ah, j'adore. Et donc il y a Michael de Roubaix qui va en premier te poser sa question. Je pense qu'il a perdu un énorme billet de 100 euros. Non, je vais le récupérer. Non, mais on va le récupérer. On va écouter. Michael, on t'écoute pour ta salut, question. Salut Michael. Oui, alors bonjour. Bonjour. Eh ben, combien de temps que t'as mis pour faire ton album? Et en tout cas, t'es très belle. Ah, c'est gentil. Merci. écoute, ça vient du cœur. C'est très sympa. On a commencé en séminaire d'écriture et de composition un petit peu avant les fêtes. Donc, je suis partie avec des auteurs-compositeurs pendant plus de 10 jours dans un studio. On a fait des maquettes, plein de chansons. On a travaillé jour et nuit parce qu'on était tous très animés par ce projet, par cet album. On avait prévu de faire un autre séminaire en janvier, mais on s'est rendu compte après les fêtes, en se posant un petit peu et en écoutant les titres, qu'on les avait. Et donc du coup, tout a été très vite parce qu'ensuite, j'ai fait les voix définitives en février. Et puis après, il y a eu la séance photo qui avait été déjà faite auparavant. Donc tout a été très rapide finalement. Mais parce que tu sais, des fois comme ça, il y a une espèce d'alignement des planètes où les choses se font de manière très fluide et naturelle. Et alors dans la presse, je disais, apparemment, tu parles de nouveaux départs. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette nouvelle envie? Là-haut, déjà, la chanson, Destination Eurovision. C'est Michael Miro, c'est ça qui te l'a... Qui m'a appelé. Qui t'a appelé pour non, te Michael présenter. Miro m'a appelé pour me parler de Destination Eurovision. Il m'a mis en relation avec Sylvain Baudier, qui travaillait pour France 2, en tout cas, qui était là, qui castait, en fait, qui était chargé d'aller chercher des artistes. Il m'a appelé, on a discuté pendant un peu. À l'issue de cette conversation, ma réponse a été de lui dire que j'allais aller en studio, j'allais travailler et que si j'avais le titre, eh bien, je me lancerais dans cette belle aventure et que si je ne l'avais pas, je ne le ferais pas. Et en l'occurrence, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Là-haut. Elle a remué énormément de choses en moi et elle m'a un peu montré le chemin finalement à prendre et elle m'a donné envie de retrouver les studios. Et du coup, le reste s'est fait naturellement. Michael, merci pour ta question. David Doron qui également souhaite te poser une question. Salut David. Bonjour Chimène. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ton nouveau single à la radio. Bah, déjà, je vais être honnête avec toi, il y avait Caroline donc, qui est là, qui est mon attachée de presse radio, qui était avec ma chef de projet, qui s'appelle Carline Buteau. Je partais en concert avec mon amie Julie Zanetti pour Méditerranéenne, et elles m'ont appelé et elles m'ont dit « ton single rentre en radio sur Chéri ». Et là, j'ai hurlé au téléphone. La classe. J'étais trop contente, j'ai pleuré de joie, et j'ai fait peur à mes parents parce que c'est eux qui m'emmenaient et que mon père a pilé sec parce que j'ai poussé un cri de dingue, et voilà, et j'étais trop heureuse, et ça m'a fait
ça m'a fait un plaisir fou parce qu'il y a une forme de reconnaissance là-dedans qui me touche particulièrement. Et c'est un titre que j'aime beaucoup, je suis vraiment tombée en amour de ce titre. Et donc voilà, le fait qu'il rentre en radio et qu'il passe en radio, c'était gratifiant. Quand tu entends les autres titres un peu plus anciens également, à chaque fois tu as cette émotion là? Oui, toujours. Ouais. Ça bougera jamais. Bah ouais, parce que c'est important, c'est très important que nos titres puissent passer en radio, que les auditeurs puissent l'entendre, les découvrir et puis être charmés ou pas. Mais en tout cas, c'est une porte importante, c'est une fenêtre importante, bien sûr. Chimène Badi, notre invitée cet après-midi au Soul Urban Food à Lille. N'hésitez pas à nous retrouver, hein. C'est complètement gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Venez pas côté. Juste à côté de la Grand Place, derrière l'Opéra. Et ben tu sais quoi? Oui. On va écouter là-haut. D'accord, tout de suite. C'est cool. On va écouter le premier single, ouais, extrait du nouvel album de Chimène Badi qui est paru vendredi dernier. Je pense que Laurent doit être prêt là-bas en studio à Villeneuve d'Ascq pour envoyer le single. Donc,